Sénatoriale, les bureaux de vote fin prêts pour demain. 24 heures avant les scrutins, les bureaux de vote sont prêts pour les élections sénatoriales de demain. Pour les 6 districts de la capitale, les grands électeurs vont voter au bureau du démembrement de la CENI à Nansan. Les isoloirs, les urnes et autres matériels de vote nécessaires à l'élection sont déjà installés. Covid-19 oblige, les élections se dérouleront avec des mesures sanitaires renforcées. C'est la première fois à Madagascar qu'une élection se déroule dans des conditions exceptionnelles liées à une pandémie, ce qui nous oblige à adapter plusieurs règles du code électoral à la situation, a expliqué Michael Ravaltir, membre de la circonscription électorale à Nalamang. Chaque bureau de vote devra être équipé d'un point d'eau avec du savon et du gel hydroalcoolique et toutes les personnes présentes devront porter un masque. Les bureaux de vote devront être aménagés pour assurer une distanciation d'au moins 1 mètre. Le nombre d'électeurs qui pourra accéder au bureau sera limité. Tout doit être prêt pour l'ouverture des bureaux de vote à 6h du matin. À la clôture à 17h, le dépouillement commencera. Au total, 12 465 maires et conseillers municipaux sont appelés aux urnes pour élire les membres du Sénat. Saison Africa 2020, lancement officiel hier soir. Une vingtaine de personnalités et d'artistes malgaches participeront à de nombreux événements en France dans le cadre de la saison Africa 2020. L'événement a été lancé officiellement hier à l'IFM Analakeld lors d'une soirée dirigée par Son Excellence Off Bouchard, ambassadeur de France à Madagascar. Le pays sera également mis à l'honneur dans le cadre de projets scolaires et pédagogiques. La saison Africa 2020 a pour objectif de mettre à l'honneur le continent africain dans toute sa diversité créative et culturelle. C'est une invitation à regarder et à comprendre le monde d'un point de vue africain, a souligné Nguni Fall, commissaire général de la saison Africa 2020. Les échanges et les actions réalisées au cours de l'événement s'articuleront autour de 5 grands thèmes, oralité augmentée, économie et fabulation, archivage d'histoire imaginaire, fiction et mouvement. CCIA, 100 ans au service du secteur privé. Poursuivre les actions de soutien au secteur privé, les améliorer en adéquation avec l'évolution des technologies devenues incontournables dans le monde des affaires et du commerce. Tels sont les défis de la Chambre du commerce et de l'industrie d'Antananarivo, a fait savoir la présidente de la CCIA, Andriama Mundierson-Joséphine, en marge de la célébration du centenaire de la CCIA. Lors de son allocution, le Premier ministre Tsai Christian a souligné l'importance du secteur industrie et commerce qui est un des leviers du développement de la Grande Île. Actuellement, nous importons 80% des produits de première nécessité. Il est temps d'inverser cette tendance et de mettre en avant l'industrialisation à Madagascar, a-t-il souligné. Quant à Lansour Akoutmala, la ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, elle a souligné que la CCIA et l'UMICA poursuivent le même objectif, celui d'être au service du secteur privé. Dans le cadre de la célébration de ce centenaire de la Chambre de commerce et d'industrie d'Antananarivo, 22 membres du bureau et de l'Assemblée générale de la CCIA ont reçu des distinctions honorifiques. 2 membres ont été élevés au rang de Grand Croix de 2e classe, 5 de grands officiers de l'Ordre national malgache, dont le maire de la ville des Milles, Andrea Titouana Franck-Michel Nain, et la présidente de la CCIA, Andrea Mundierson-Joséphine, 5 autres au rang de commandeur de l'Ordre national, 5 au rang d'officier de l'Ordre national malgache et 5 autres. Et 6 autres membres de l'Assemblée générale ont reçu la médaille de chevalier de l'Ordre national. L'inauguration de la plaque commémorative du centenaire de la CCIA a également marqué cet événement. PPN, aucun risque de flambée des prix. Aucun risque de hausse des prix des produits de première nécessité n'est à craindre, notamment durant les fêtes de Noël et de fin d'année. Le Conseil des ministres d'hier l'a assuré, sachant que cette année, les opérateurs ont importé 500 000 tonnes de riz, ce qui devrait couvrir largement les besoins nationaux et faire face à la période de soudure.
Par ailleurs, un accord a été passé avec les opérateurs pour stabiliser le sac du riz à 79 000 arrières. Le Conseil des ministres a également annoncé que les prix de l'huile de table et des autres PPN ne devraient pas enregistrer une hausse grâce à des accords passés avec les producteurs et les importateurs. Hommage à Falbé, trophée le Roi Lion ce dimanche. Décédé le 26 juillet dernier, Fal Indiana Fitch, alias Falbé ou encore le Roi Lion, demeure un symbole de la course automobile à Madagascar. C'est la raison pour laquelle les professionnels du karting ont tenu à lui rendre hommage en participant au trophée le Roi Lion. La compétition se déroulera au SRK Imercetus qui a ce dimanche 13 décembre. La commission karting automobile a indiqué que cette manifestation sera la célébrière du Roi Lion et de cette discipline pour laquelle il a fourni tant d'efforts sur un circuit long de 1,50 km. À part l'inverse, une fine élite qui se fera en 15 jours, ce trophée le Roi Lion s'annonce déjà grandiose. Par ailleurs, les organisateurs ont prévu de projeter une vidéo sur le parcours de Falbé et de remettre un trophée spécial surmonté d'un lion au vainqueur de la course.